acclamation. Oui, tu vas mouiller mon journal. Je dois prendre ça pour une critique? Certainement non. Pas après cette année de vie commune. Viens par là. Tu étais ma sœur avant de faire ta médecine. Oh, j'ai quelques petits secrets. Après tout, t'en as, toi aussi. Tu sais que tu vas être en retard. Tu ne regrettes pas d'avoir quitté ton vieil Éden? J'y étais chez moi. Malgré tout ce qui s'y est passé. Tu te sens bien? Oui, oui, je crois. Quelqu'un a marché sur ma tombe. Tu as besoin de te reposer un peu. Et moi aussi. Ensemble. Le grand patron d'Emina Harper ne s'absente pas de la compagnie. La compagnie peut fonctionner sans toi une matinée. Dis-moi, à quoi tu penses? Rien de particulier. Seulement à être tous les deux. Après tout, la femme la plus riche d'Australie peut se reposer de temps en temps. Marché conclu, chérie. Laisse tomber. Dan. Oublie les mines Harper pour une fois. Mais c'est peut-être un des enfants. Allô? Stéphanie, c'est Bill McMaster. Excusez-moi de vous déranger, mais il faut que je vous voie. Essayez de vous débrouiller. Vous gâchez ma journée. Il faut que je vous voie tout de suite, dans votre propre intérêt. Oui, d'accord. Ce bon vieux Bill. Je suis désolée. L'une des affaires les plus curieuses de ces dernières années va connaître aujourd'hui son épilogue. Quand Gilly Stewart sortira de prison libre il y a 7 ans, elle avait été condamnée à la prison sous 2 chefs d'accusation. Tentative de meurtre contre son amie Stephanie Harper et meurtre sans préméditation du mari d'alors de Stephanie Harper, Greg Marsden. Lors de son procès, il avait été révélé que Greg Marsden était devenu son amant, moins d'une semaine après avoir épousé Stephanie Harper. Bonjour Hilary. Le chef comptable vous demande de le recevoir aussitôt que vous pourrez, madame. Eh bien, et je vais voir les cours de la bourse dès que vous les aurez reçus. Même si c'est difficile, vous devez le trouver. Je veux savoir qui fait ça et je veux surtout savoir pourquoi. Débrouillez-vous, je n'accepte aucune excuse. Quelqu'un s'amuse avec nos actions? Quelqu'un qui réussit à rester caché. Il veut prendre la majorité? Peut-être, oui. Vous êtes mon directeur général, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Non, je n'ai pas besoin de vous pour ça. Sarah va revenir de la côte et Denis rentre immédiatement de perte. Toute la famille doit se réunir ici. Pourquoi cette réunion? À cause de Gilly Stewart. Oui, elle est libérée, mais il n'y a pas à savoir autre chose. Ce que j'ai à dire va tout changer. Tout changer. La libération de Gilly Stewart, qui sort de prison aujourd'hui, va réveiller les vives controverses qui avaient entouré son procès. C'est dans cette salle de tribunal, il y a 7 ans, qu'un jury a déclaré Gilly Stewart coupable de tentative de meurtre sur la personne de la riche héritière d'un empire minier, Stephanie Harper. Elle a aussi été déclarée coupable de meurtre sans préméditation sur la personne du mari de Stephanie Harper, le champion de tennis Greg Marston, qui était l'amant de Gilly Stewart. Si ce drame vous semble appartenir à la routine des procès criminels, réfléchissez aux circonstances étranges qui ont, à l'époque, passionné le public pendant des semaines.
L'accusé avait été invité par sa victime à l'accompagner quand elle est partie en voyage de noces. Et l'arme du crime était, si vous vous en souvenez, un gros crocodile. J'ai parlé à Gilly Stewart après sa sortie de prison. Croyez-vous que le jury a... Quelqu'un veut bien me dire enfin pourquoi on m'a fait revenir ? T'énerve pas, vieux frère. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait cette fois ? Elle vous a aidé pendant votre procès ? C'est vrai, elle a tout fait pour m'aider, je peux vous l'affirmer. Lui reprochez-vous ce qui s'est passé ? Je me le reproche à moi. Vous aimeriez dire quelque chose à Stéphanie Harper ? Oh, merci. Qu'est-ce qui se passe ? Où est maman ? Au premier avec Dan. Sers-toi un verre bien tassé, ça va t'aider à tenir le coup. Je pense toujours que tu as fait une bêtise. Je n'avais pas d'autre solution. Tu avais plusieurs solutions. Tu n'aurais pas dû te lancer dans cette histoire. Dan, avant de te rencontrer, j'ai passé la moitié de ma vie à me cacher. À présent, je ne veux plus me cacher. Je ne peux pas le croire. Tu verras. Mais je ne l'accepte pas. Tu ne trouves pas ça amusant ? Tu as vraiment un drôle de sens de l'humour. Une tradition de famille. Je dois prendre ça au sérieux ? Denis ! Ça concerne la famille, Dan. La famille Harper. Ça nous concerne tous. Et vos remarques ne facilitent pas les choses. Oh, arrêtez un peu, vous deux, je vous en prie. Maman, c'est vrai ce qu'a dit Sarah ? Oui, c'est vrai. Bonjour, Roberts. Vous êtes attendu, Monsieur McMaster. Bonjour, Denis. Personnellement, je vous jetterai dehors. Mais je ne suis pas chez moi ici. Enfin, vous voilà. Sarah. Bonjour, Gilly. Dan. Quelqu'un veut bien me dire ce que je fais ici. Mais il... Oui, il y a une raison bien précise. Faisons les choses comme il faut. Asseyez-vous tous autour de la table. Quand le père de Stéphanie est mort, on n'a pas trouvé de testament. Alors automatiquement, tout a été transmis à Stéphanie. Mais quand on a rénové le vieil Éden, les terrassiers ont mis à jour une boîte qui contenait un certain nombre de papiers. Parmi lesquels le testament, les dernières volontés de Max Harper. Alors j'ai vérifié et revérifié ce document. Il est vrai. Sa valeur ne saurait être contestée par personne au monde. Moi, Maxwell Harper, en possession de mes facultés mentales, je déclare par la présente léguer l'ensemble de tous mes biens fonciers, mobiliers et immobiliers à ma fille Stéphanie, qui en aura, pour l'usage qu'elle jugera bon, l'entière propriété, à condition qu'elle assure d'une manière satisfaisante l'entretien de sa sœur, Gilly, dont je certifie être le père. Je suis désolé, Gilly. Max Harper était l'amant de votre mère. Le père de Stéphanie était aussi votre père à vous. Vous voulez dire qu'on est sœurs ? Gilly, je voudrais te parler seule à seule. Je regrette.
Je ne pouvais pas le croire non plus. Mais je crois qu'on doit trouver un moyen de régler ça toutes les deux. Si tu penses que parce qu'on est sœurs, ça change quelque chose, tu te trompes. Mais il le faut. J'aurais mieux aimé ne jamais le savoir. J'espère que tu ne penses pas ça. Pourquoi il ne nous l'a pas dit? Papa était très fier de lui-même. Je suppose qu'il n'a pas pu admettre une situation comme ça. C'est trop fort, Stéphanie. Il nous a regardés grandir ensemble, devenir de bonnes amies. Il ne nous en a jamais dit le moindre mot. Mais il nous le dit aujourd'hui. Et le plus important, c'est que pendant toute notre vie, toi et moi, on a été presque comme des sœurs. Ça n'a pas arrangé les choses. On est tombées amoureuses du même homme. Ça semble moins surprenant à présent. Quand cet homme a essayé de te tuer, je n'ai pas bougé pour te sauver. Une sœur n'aurait pas fait ça. Oh, j'ai tellement essayé de tout oublier. Je crois que j'y arriverai à présent. Tu aurais tort. Je crois que je t'ai détestée depuis le moment où tu as épousé Greg Marsden. Pas parce que je le voulais pour moi. Parce que, une fois encore, Stéphanie Harper, la pauvre petite fille riche, repartait avec le premier prix. Et je voudrais essayer de changer tout ça. C'est trop tard. Oh, je t'en prie, ne dis pas ça. Mais toi et moi, on a maintenant une occasion inespérée de laisser tomber une bonne fois le passé. Une occasion pour quoi? La charité. Tu ne vois pas que c'est le plus cruel des coups de poignard pour moi? Tout ce temps, j'étais jalouse de ta puissance, de ta fortune. Et elles auraient pu m'appartenir. Tenez, Gilles, ça vous fera dormir. Vous savez, personne ne voulait vous blesser. Une place en première classe pour Sarah Harper, sur le premier vol de demain matin. Merci. Sarah, alors vous repartez pour la Côte de l'Or? Pourquoi pas? Il faut que vous restiez, Stéphanie aura besoin de réconfort. Elle vous a vous? Ben, je parle sérieusement. Moi aussi. Je préférerais ne pas figurer parmi les victimes de l'Holocauste. Mais vous ne pourrez pas y échapper, comme nous tous. Mais j'aimerais bien essayer. Regardez de près cette famille, Dan. Un grand-père mort avec un pareil secret? Une mère complètement perdue jusqu'à ce que vous interveniez. Aujourd'hui, Gilly Stewart. Vous ne voudriez pas prendre le premier avion vers le soleil? Oui, j'aimerais bien. Seulement, j'aime votre mère. Et vous aussi. Oh, voyons, Sarah, restez avec nous. Même si c'est seulement pour quelques jours. Parce que pour ça, Denis ne sera pas très efficace. Bon, je reste. Essayez de ne pas détester Denis. Mais non, je ne déteste pas Denis. Et j'aimerais qu'il le sache. Je crois qu'il le sait. Mais c'est plus amusant de faire comme si vous étiez le pire des beaux-pères. Où est Stéphanie? Elle est dehors. Elle fait son examen de conscience. Ah, oh, chérie, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Débarrasse-toi d'elle, maman. Où qu'elle aille en partant d'ici, elle est de la famille. On ne peut pas l'ignorer. Je n'ai pas confiance. Et toi? Rassure-toi, maman. Jamais personne ne te fera de mal. À tout à l'heure. Comment va-t-elle? Elle va très bien.
Non, ce qui m'intéresse plus, toi, comment tu vas? Je suis perturbée. Mais il y a une chose que je sais, je lui dois beaucoup. Pas pour le passé. Pour toute notre vie. Il me semble que si on s'était mieux connus, peut-être que tout aurait pu être différent. Philippe, c'est Julie. Je me trouve chez Stéphanie. Je pense que la dernière personne que tu t'attendais à entendre, c'est ton ex-femme, mais je me sens seule. J'ai besoin d'un ami. Quelle belle comédie. Pas du tout. Drôle de moment pour un coup de fil. Vous vouliez que personne n'entende ? Rien ne peut rester secret. Vous passez votre temps à m'espionner. Je suis descendu me saouler. Pas de chance. Pourquoi êtes-vous si méchant avec moi, Denis? Ah, parce que je sais de quoi vous êtes capable. Vous en êtes sûr? Cette année passée en prison, j'ai dû perdre mon charme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sans intérêt. Cette année sans homme, ça apprend beaucoup de choses sur la tension nerveuse. Vous comprenez? Oui, j'en suis sûre. Comment faire pour gagner votre confiance, Denis? Allons. Qu'est-ce que vous en dites? Je veux vous chasser. Demain, je vous donnerai de l'argent. Je paierai votre hôtel. Comment je dois interpréter ça? Espèce de pourriture! Qu'est-ce qui se passe? Denis! Sans importance. Vous ne me croiriez pas. Ça n'est rien, Dan. Il essayait de me faire mal. Il voulait me chasser en me payant mon hôtel. Ce n'était vraiment pas la peine. Si je savais où aller, je m'en irais tout de suite. Oh, Dan. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi solitaire. Retournez vous coucher, on parlera de tout ça demain matin. Je suis descendue pour téléphoner à Philippe. Je suis folle. Il ne voudra pas me connaître, pas plus que vous tous. Venez. Qu'est-ce que ça peut faire, Dan? Pas de passé, pas d'avenir. Pour le reste de ma vie, je ne suis plus qu'une espèce de fantôme. Thank you.
Écoute-moi, maman. Jette-la dehors. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, chérie. Gilly est très choquée. Elle est au bout du rouleau. Vous êtes devenue aveugle. Voyons, c'est de Gilly Stewart qu'on parle. Elle joue la comédie. Dans quel but? Elle déteste notre famille. Je ne peux pas croire ça, Denis. Nous sommes sa famille. Et elle peut rester ici aussi longtemps qu'elle voudra. Que ça vous plaise ou non. Dan, c'est Gilly, je peux pas la réveiller, elle a avalé des comprimés. Sarah, passe-moi ma trousse, vite. Elle a pris ça dans la salle de bain. Le flacon était presque plein. J'aurais dû penser à quelque chose comme ça. J'ai vraiment cru qu'elle était morte. Si elle avait voulu se tuer, elle ne se serait pas manquée. Tu arranges la vérité pour qu'elle te convienne. Réveille-toi, Sarah. Elle joue avec nous comme toi, avec les touches de ton piano. Dan, est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va aller bien. Étonnant. Denis, vous dites que vous êtes inquiet pour votre mère. Pour une fois dans votre vie, songez à la tension qu'elle supporte et tenez votre langue. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais m'en aller. Pourquoi? Pour nous punir? Pour que je me sente coupable? Probablement. Alors Denis avait raison, tu détestes vraiment notre famille. Beaucoup moins que je me déteste moi-même. Je n'arriverai jamais à croire ça. Laisse-moi te poser une question, Stéphanie. Tu aimerais être moi? Moi non plus. Mais je suis moi. Ce que j'ai fait est stupide. Je ne recommencerai pas. Je suppose que je devrais pouvoir comprendre ce que tu éprouves. Dieu sait qu'il m'est arrivé de te détester. La haine est comme un jardin. Il faut l'entretenir. Qu'est-ce que tu veux, Gilly? Peut-être que Denis a raison. Une chambre d'hôtel et une poignée de dollars, je devrais sûrement partir. Qu'est-ce que tu souhaites? Je souhaite me sentir bien. Je souhaite avoir du temps. J'ai passé 7 années à payer ce que je t'avais fait à toi. Est-ce que ça ne suffit pas? Stéphanie, ici Bill. Je suis en route avec l'hélicoptère pour aller vous chercher. Je crois que vous devez revenir à Sydney aussitôt que possible. Je vous retrouve dans 1 heure. On traverse des jours difficiles. Comment ça va? Ça va très bien. Comment ça se passe à la bourse? Quand je suis parti, il devenait évident que nous subissions davantage qu'une petite attaque passagère contre nos actions. Harper est la cible d'un assaut soigneusement mis au point. Vous avez des chiffres exacts? Non, mais j'ai fait envoyer les nouveaux chiffres à mon bureau. Vous savez qui est derrière ça? Eh bien, j'en étais pas sûr au commencement. Mais à la manière de procéder, il me semble reconnaître la tactique qu'emploie toujours Jacques Sanders. Vous en êtes sûr? J'en ai bien peur. Mais nous le connaissons déjà de réputation. Mais vous avez des renseignements précis sur lui? Eh bien, à part le fait qu'il est connu comme un vrai pirate avec beaucoup d'ambition, peu de choses. Même s'il s'en est déjà pris avec succès à un certain nombre de compagnies importantes, l'homme lui-même est un mystère. À vous entendre, ça semble intéressant. Si vous considérez que le danger est intéressant. Monsieur McMaster? Vous avez demandé les derniers chiffres. Oh, merci, Cassie. Stéphanie, je vous présente Cassie Jones, ma nouvelle assistante. Enchantée, Cassie. Madame Harper.
Elle est spécialiste des analyses boursières. Oh. L'attaque ne s'est pas ralentie un moment. Malgré l'augmentation de nos actions en bourse, Sanders achète tout ce qui est à vendre. Je vois. Quand le prix aura encore monté, il vendra avec bénéfice. On a connu ça auparavant, Bill. Ah, j'ai vérifié aussi la situation exacte de la trésorerie. Elle est assez serrée en ce moment. Mm-hmm. Bien, il me semble que M. Sanders ait choisi le meilleur moment pour attaquer. Merci, Cassie. Vous avez bien choisi votre assistante. Elle est très qualifiée. Alors, vous avez décidé pour Gilly? Je lui donnerai des parts de la compagnie, peut-être. C'est hors de question, Stéphanie. C'est la première de toutes les leçons. Action égale puissance. Et vous devez en garder le plus possible dans vos propres mains. Et légalement parlant, vous n'êtes tenue à rien du tout. Oh, Bill, elle est ma sœur. Si ce testament n'avait pas été vu par d'autres que moi, je l'aurais brûlé. En dépit de tout, je n'aurais pas souhaité ça. J'en suis bien convaincu. Non, n'arrêtez pas. Je ne joue pas très bien. Ça me paraît magnifique à moi. C'était le rêve de maman, pas le mien. Si on veut jouer vraiment bien, il faut le vouloir à fond. Et moi, je ne mords plus. À mon arrivée, vous avez été la seule à vous montrer aimable. Vous le pensiez? Ou c'était seulement pour embêter les autres? Un peu les deux, je suppose. Comment c'est la prison? Effrayant. À cause de la façon dont l'esprit se met à fonctionner. J'avais pris une savonnette très chère, mais je ne m'en suis jamais servie. J'avais peur de perdre mon dernier contact avec l'extérieur. Il paraît que si on reste longtemps enfermé, on n'imagine plus le monde réel. Vous appelez ça le monde réel? Allez, venez. Où ça? Quand je me sens déprimée, je sais qu'il y a un moyen de s'en sortir. Acheter de nouvelles toilettes. Je regrette, Johanna, mais il va falloir retarder l'ouverture de vos magasins. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Il n'y a aucun motif. Les administrateurs ont approuvé le projet. Oui, mais pour le présent, on a besoin de toutes les liquidités de la compagnie. Ça n'aurait pas un rapport avec Gilly Sanders, par hasard? Cette espèce de sauvage? Gilly. Bonjour, Johanna. Vous avez perdu du poids. Vous devriez achever de disparaître complètement, par la porte. J'ai invité Gilly ici. On n'a pas besoin de sa clientèle. Vous mettrez les achats sur mon compte, Johanna. Laissez tomber, Sarah. Reposons ces vêtements. Nous avons fait une énorme erreur. Non, portez-les. Mais par respect pour votre mère, je souhaite que, à l'avenir, Mademoiselle Stewart veuille bien faire ses achats ailleurs. Porte ça à la voiture, Sarah. Venez, Gilly. Gilly et moi, on a quelque chose à discuter. Allez-y, Sarah. $2,000 et votre hôtel payé pendant 2 mois, à la condition de faire vos bagages et de partir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Marchander? Bon, très bien, d'accord. Combien vous voulez? Quand votre mère me dira de m'en aller, je m'en irai, sans rien demander. Ce que vous dites ne compte absolument pas. Nous nous comprenons, n'est-ce pas? Johanna. Stéphanie a permis à cette femme de rester à Eden? Plus pour longtemps. Vous ne voulez pas que j'enlève le reste, docteur? Non, ce ne sera pas nécessaire, mademoiselle Harper. Après tout, c'est seulement votre contrôle annuel.
S'il vous plaît. Mon infirmière devrait être dans la pièce. Vous n'y songez pas. Vous savez que trois, c'est la foule. Ça va faire monter votre tension, mademoiselle. Et la mienne. Ça m'est égal. Tu vas me laisser t'examiner. Vas-y. Magnifique. Et tout est en œuvre. Ah non. Tout ce que j'ai fait, c'est réparer ton visage. Je ne l'ai pas créé. Tu es trop modeste. Je sais bien à quoi je ressemblais avant ton opération. Oui. Mais même avec tes cicatrices, tu étais encore très belle. Je t'ai remise en état. Je t'adore. Sentiment tout à fait réciproque. Bon. Et en bonne forme. Mais je crois que je vais quand même vérifier ta tension. C'est vraiment nécessaire? Non. Mais je préfère. Et pourquoi? Pourquoi pas? Tu as peur que je voie à quel point tu es sous pression en ce moment? Gélie, n'est-ce pas? Elle a un droit sur moi, je ne dois pas l'ignorer. Stéphanie, règle tes dettes. Finis tout ça. Tu penses que ça peut finir? Allons, Max, je vais vous payer 10 000 dollars vendredi. Oui, et le reste la semaine prochaine. Je crois que mon crédit est plutôt bon. Dans ce cas, je serai obligé de porter mes paris chez un concurrent. Bonjour. Cassie, n'est-ce pas? Oui, monsieur Harper. Hein? Ah, c'est privé et confidentiel pour madame Harper. Jacques Sanders, vous avez trouvé un cadavre dans sa vie privée? Rien du tout. Dommage. On aurait pu s'en servir pour une campagne contre lui. Si vous trouvez quelque chose, prévenez-moi. À n'importe quelle heure. Même après dîner. Je suis désolée, monsieur Harper. J'ai déjà fait des projets pour la soirée d'aujourd'hui. Et si vous remettiez? Qu'est-ce qui vous fait croire que je le souhaite? Ah non, non, voyons, monsieur Sanders. Ah. Ah. Non, non. Ah. Oh. Oh, toute la compagnie Harper s'intéresse à toi. J'ai rassemblé des coupures de presse et des photos. Tu les as bien choisies, j'espère. Oh, allons, sois sérieux. S'ils apprennent la vérité, qu'est-ce qui m'arrivera? Le pire. Non, le pire m'est arrivé quand je suis tombée amoureuse. Ce qui peut être dangereux, c'est qu'ils montent une affaire ensemble. Bill, je voudrais que ce chèque soit porté tout de suite à la propriété. Qu'est-ce que c'est? Un règlement pour Gilly. 5 millions de dollars? Maman. Je ne veux rien entendre, Denis. J'ai pris ma décision. Mais la compagnie ne peut pas supporter ça. On a besoin de chaque dollar pour se défendre contre Sanders dans cette bataille pour nos actions. On trouvera un moyen. Vous voulez bien vous en occuper? Vous n'allez pas la laisser faire. Cette compagnie appartient à Stéphanie. C'est elle la patronne et elle seule. Ce testament aurait dû disparaître. Vous auriez dû le brûler. Gilly, ici Denis. Je veux vous dire quelque chose. Bon, restez là-bas. Je pars tout de suite. Hilary, ma mère vous a dit où elle allait? Elle va chez Tara. Elle a rendez-vous avec Johanna. Appelez-la là-bas et demandez-lui de me rejoindre à Eden. C'est urgent. Mais qu'est-ce que je dois... Dites-lui ça, c'est tout.
Alors, vous m'avez intrigué. J'ai bien réfléchi à tout depuis l'autre soir. Vous devez être épuisé. Ah. Peut-être que je me suis trompé sur vous et sur beaucoup de choses. Dans ce cas, essayez de ne plus vous tromper sur moi. Vous devriez peut-être vous servir un verre et je vais monter prendre ma douche. Ensuite, on continuera cette discussion quand vous serez un peu calmé. Vous m'avez dit que vous aimeriez avoir ma confiance. Mais la confiance se mérite. On a un problème de communication tous les deux, vous ne croyez pas? Vous avez cru que j'avais des vues sur vous? Je voulais seulement vous montrer que vous n'aviez aucun jugement. Quand je voudrais un amant, je choisirais un homme, pas un gamin. Merci, Antoine. À votre service. Doit apprendre à se défendre en prison. Oui, je l'imagine. Bon. J'imagine aussi comment ma mère réagirait si elle me trouvait comme ça. Peut-être qu'elle vous couperait votre mensualité. Peut-être, mais d'abord, elle vous mettrait à la porte. Alors, quelle chance pour nous deux qu'il nous soit pressé. Oui, mais vous vous trompez. Stéphanie va arriver d'une minute à l'autre. Bam! Vous êtes mort. Denis, est-ce que tu es là-haut? Vous avez beaucoup à perdre, vous aussi. J'arriverai à m'en sortir, moi. Pas si je dis à votre mère que vous avez des dettes de jeu faramineuses. Vous ne réussirez pas, ma voix. 30 000 dollars. Vous avez parié sur beaucoup de tocards pour perdre autant. C'est fâcheux pour quelqu'un qui veut administrer Harper et ses millions. Denis. Ah, excuse-moi. Tu reviens de bonne heure. Tu n'as pas vu Denis? Non, je prenais ma douche. Pourquoi? Il est rentré? Oui, sa voiture est dehors. Comment te sens-tu? Bien, merci. Je voudrais te parler de quelque chose. Tu me rejoins en bas quand tu seras prête. Ah, d'accord. Accepte cet argent. Ne t'occupe pas de ce qu'on pensera. Oh, c'est trop généreux. Non, c'est seulement honnête. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Denis, cet après-midi? J'ai cru que j'avais une prise sur Saunders. Ça n'a pas payé. Comme un pari sur un mauvais cheval? On pourrait continuer, Bill. Gilly, en accord avec la dernière volonté de votre père, Stéphanie a décidé de vous verser un capital. Voilà un chèque de 5 millions de dollars. Si vous voulez bien, vous allez signer ce petit reçu en échange. C'est une simple formalité. Une formalité qui m'empêchera de réclamer ultérieurement autre chose à la famille? Une formalité qui vous débarrassera de moi une bonne fois pour toutes? Au moins, Denis était franc avec ses 2000 dollars et ses frais d'hôtel. Mais pourquoi ce reçu, Bill? On a suivi la procédure. Légalement, quand un paiement est fait, c'est qu'il existe quand même une possibilité de réclamation. La compagnie Harper doit être protégée contre toute action de l'une ou l'autre des parties intéressées. Je ne suis pas une partie, je suis la sœur de Stéphanie. Gilly a raison, je crois qu'on peut se dispenser de ce document, Bill. De toute façon, je ne pense pas accepter ce chèque si on me le donne dans cet esprit. Gilly, pas de coup de tête, voyons, accepte ce chèque. Ou en tout cas, réfléchis.
Ça ne fera aucune différence. Je t'en prie. Fanny, tu vas bien? Je ne veux pas de tes millions. Tout ce que je veux, c'est ton affection et ta confiance. Je veux pour de bon être ta sœur. Oh, j'y... Je devrais dire Gilly Harper. Je crois que des félicitations s'imposent. 5 millions de dollars, ça vaut bien ça. Stéphanie a des raisons de s'inquiéter. Votre service de renseignement est bon. C'est la base de tout. Alors, qu'est-ce que je vous offre? Un accord. En réunissant nos forces, nous pourrons obtenir tous les deux ce que nous voulons. C'est Stéphanie qui vous a poussé à ça? J'avoue que pour 5 millions de dollars, je rendrais bien service à un ami. Qu'est-ce que vous feriez pour moi? Vous êtes sérieux? Bien sûr. Je ne veux pas vos 5 millions de dollars. Qu'est-ce que vous m'offrez d'autre? J'aurais cru que c'était évident. Des renseignements. En tant que sœur de Stéphanie, je peux être une bonne source. J'en doute. Si Stéphanie vous paye une fortune, c'est qu'elle veut vous écouter. Je peux arranger ça. Vous voulez cette alliance, c'est vrai? Et pourquoi? Parce que tout ce qu'elle possède devrait m'appartenir. Ce sera peut-être dur de prendre la compagnie à moi seule, mais que ce soit avec ou sans vous, je parie que je l'aurai. Monsieur Sanders. Vous avez pu vous occuper de la tombe de mon frère? Oh, bien sûr, monsieur. Si par hasard on vous posait la moindre question. Soyez tranquille, je ne dirai rien. C'est terrible de perdre un frère. Laissez-moi. Si tu voulais épouser Stéphanie Harper, tu aurais dû te tenir loin de sa sœur. Oui, c'est bien ça. C'était deux sœurs. Comment tu ne l'as pas deviné? Mais sois tranquille, Greg. À présent, elles sont réunies. Ce sera plus facile. Dommage que tu manques ça. Ce sera amusant.